occasion pour que, eh bien, encore une fois, le bassin peuple a été éteint. Nous attirons l'attention et nous disons mon rapport qui va nous sortir sur ce ça. Et comme ça, pour jouer qui est-ce, qui construit, qui ambassadeur, qui autorité, qui prend comme ça, parce que 4 millions de dollars US, c'est pour le peuple de Haïti pendant que le gouvernement n'a pas qu'à payer un loyer qui n'a pas ça, qui n'a pas ça, qui n'a pas ça, et puis vol a fait comme ça dans l'ambassade Washington ou bien dans le consulat qui va faire comme il veut. Ça, c'est le premier dossier que j'ai soulevé. Deuxième dossier, c'est par rapport à gouvernement, nous avons été engagés dans un contrat dont nous jouons une copie et que nous cabaye journaliste. Un contrat de crédit carbone pour mettre un mécanisme financier pour que Haïti ait un projet avec le crédit carbone. Contrat ça, nous obligés le premier ministre pour nous dire que dans le contrat ça, nous avons trois grandes erreurs majeures. Parce que pas dit non. C'est comme ça la question que vous arrivez. Vous arrivez, vous signez un accord, le gouvernement a démarré quoi, et c'est après nous avons mis 4 milliards 200 millions de dollars. Depuis là, ça, nous avons pris un engagement pour que le dossier arrête, nous garder, pour que au maximum, pas de bagages qui produisent. Nous avons pris un engagement dans le dialogue, mais aussi un contrat, nous avons dit. Bien malheureux de la corruption, et nous, je dis à directeur général de l'ONI, directeur administratif de l'ONI, et dans l'ONI, ce n'est pas seulement des malheureux de en pile perte de matériel, en pile question de véhicules que vous volez, parce que le président d'alors, Jovenel Moïse, a protégé le directeur pour question des malheureux là, et c'est un garde-corps pendant. Donc, malgré nous qui avons dit, l'État va prendre et nous, sommes un garde-corps. Sophie Daïto, nous sommes obligés de travailler pour que 100 millions de dollars soient débloqués. Et je dis à la question critique à bonne, nous avons un mécanisme financier qui est obligé pour rassembler comme son nom à Haïti pour que nous montions des projets de développement. Et nous dit que l'on va être comme ça fait. Premièrement, le ministère qui signe, ce n'est pas le ministère qui a cette responsabilité d'après justement pour nous donner l'accord sur l'environnement. Le ministère qui veut signer une soumission, ça c'est le ministère environnement. À nous, c'est le ministère de planification, ça c'est un. Deuxièmement, pas de aucun accord à caractère financier qui va nous aider à avoir la cour des comptes. Là, nous, c'est le ministre-là simplement qui veut l'engagement avec FIM. La troisième chose, pour qui ça c'est FIM ça? Hein? Pour qui ça c'est FIM ça? Ils ont des mécanismes financiers. Hein? Pour qu'ils sachent que par exemple, on appelle l'offre, pour qu'ils soient choisis meilleur là. Pour qu'ils soient obligés de choisir un film directement pour le siècle. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas l'administration privée, c'est l'administration publique. Donc, moi, écrit au Premier ministre, pour me dire que le gouvernement engage le pays à nos bailleurs de crédit carbone, qui a mené jusqu'à des milliards de dollars, je m'avais dit bonheur. Parce que, moi, nous va suivre Bayo et puis après 10 heures, on va dire comme qui veut dire dans le crédit carbone. Même j'en avais tout arrivé. Donc, moi, écrit, et ma tante le ministre. Nous allons tout fin décembre et ici, première semaine janvier, il faut répondre non. Il faut répondre non pour que, justement, nous mettions l'ordre dans la question. Et si on va mettre l'ordre, on va saisir l'espace de loi. Parce que je dis, la question ça, Haïti n'a pas vite perdu comme, même j'en ai perdu. Arriver dans Dermalog, dans Sophie Daï, dans Baradouel et même dans Gabrit. Je disais, mais parce que dans l'IA, c'est vrai, il y a des gens qui font audio, mais il y a des gens qui ont été créés pour la population. Et nous choisissons nous-mêmes dans la ligne que nous dédions population pour que pas de corruption dans l'État, pour que garder sécurité, pour que nous engagions pour ça. Là, dans deux dossiers, que ce soit 4 millions de dollars. Que ce soit critique à votre nom, c'est la route, et bien corruption que vous voyez, et la tête de l'Union ministre pour que Lika, eh bien, dis-nous ce qui passé dans la question ça, monsieur le gouvernement, il engagé. Et à la fin de l'année, distribuer
cause à qui s'y est. Et pas connaître une journaliste qui est au courant de la cause. C'est même pas courant. Et la recherche que nous prenons pour montrer à qui est signé, sous crédit parole, et normalement, le sera signé une république. Donc, nous avons une copie de lettres là et de accord. Maintenant, comme nous toujours fait, pour le préserver sous question sécuritaire là, nous avons réservé la dernière partie ça pour nous parler de questions de sécurité. Vous remarquez au niveau de sécurité, dans la zone nord-ouest et antimonique, que nous dit, il y a un drone qui a fait le kidnapping. Nous remarquons que nous patrouille, une patrouille fixe dans la zone. Mais patrouille fixe là, il a de 8h à 4h, c'est le bon pas. Mais quand on allait, c'est le gagné. Nous demandons à ce que la police était sur ce bon patrouille fixe, 24 sur 24. En attendant que nous avons été base ou bien. Mais ça, nous remarquons dans votre question, nous remarquons que l'insécurité est plus normale. Les gens qui sont dans le monde, ou bien sous la route là, sous la route Matissa, chaque entreprise qui a passé, on y a eu une majorité pour nous faire payer, ou bien pour payer chaque semaine le gaz. Ça veut dire que l'État vient d'accord avec la question de l'insécurité. L'insécurité est une question normale. Le kidnapping, on dit que pour tout le monde, c'est normal, mais qu'on voit bien aussi. C'est comme si les vies normales. Nous ne parlons pas de vies normales, du tout. La sécurité est une chose anormale. Et dans ce sens-là, aucune période, aucune saison, on va faire oublier pour que nous exigeons de l'État ça, protéger la population. Protéger, malheureusement, pas ce monde-là qui voit le travail. Protéger le monde qui a pris les petits et bien déplacer pour la caille docteur, protéger mon capoage et la pays qui voit les soins de monsieur le gouvernement. Non, c'est rôle de l'État. Nous ne pouvons pas arriver à nos questions, c'est comme si c'est très normal. Pendant ce temps-là, regardez, nous voyons que l'État, ça a. Nous étions pour dire que nous pas bon, pour dire que nous pas bon. Ça, je vais l'acheter. Et acheter l'autre, et bien nous voyons, au lieu de ces véhicules de combat, c'est des véhicules anti-émeutes qui viennent trois problèmes. C'est comme si on a dit, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement est d'accord avec la sécurité? Parce que malgré le conseil, malgré le dit qui ça pour acheter, encore, c'est des véhicules anti-émeutes qui eux-mêmes, des moteurs pour protéger, et dès que vous dites des moteurs ont des problèmes. Donc, moi, quoi que je dis, on a dit, c'est inacceptable. Il y a des actions qui vont entreprendre, et actions que nous déjà présenté au plan de sécurité. Il y a l'autre action. Que le la police pour les fois, par exemple, à l'endroit de la Tibou de Nabdil, l'homme fois qui fait Nabdil, mais pour le moment, de l'autre côté, la question grave, c'est que l'insécurité n'est venue comme on fait normal, alors que l'insécurité est fait anormal. Et dans ce sens-là, nous disons qu'il y a des mesures spécifiques qui devront, non seulement au mois de décembre, pour protéger eh bien, toute activité qui a fait, ces activités qu'il y en a, et également, protéger les déplacements à travers les villes de province et ne pas accepter la question de normalité au niveau des sécurités. C'est ça que nous devons aborder si il y a des questions sur le sujet. Bon, alors, 3 villes.